Vois comment marche le monde, les disques errés, et dur de se frayer, y'a un passage pour sortir de l'ombre. Effectivement, malgré les discours, aucun changement. Apparemment, l'appel au secours n'a trouvé aucun élan, aucun écho. Regarde les infos, toujours la même série B. Le cauchemar sort ta télé pour se poser dans ton quartier, s'installer, étendre son règne. Début d'un régime, la misère à le bras long desquels tu touches, tu trimes, elle te prime. T'assignes un mode de vie basé sur le manque. Plus de moyens pour la contrer, car remplir le compte en banque n'est pas si facile, si évident. Rien de versatile dans ce néant. Seul le courage pèse, c'est dur d'y croire, malheureusement. En bas de la pyramide grouille des milliers, des millions. Leur parler, les écouter, me bouger pour eux et ma mission. Dans le royaume des cieux, il paraît qu'ils seront les bienheureux, les premiers. Facile à dire, mais comme eux, j'en ai assez de patienter. Pourtant, né de la même manière, sur la même terre, pas obligatoirement sur le même hémisphère. Je digère toutes ces ressemblances qui n'ont d'importance que dans leur sens. Liberté, égalité, fraternité, devise aujourd'hui oubliée. Quoi qu'on dise, quoi qu'on promette, même si la vie a de multiples facettes, une seule m'intéresse. Vivre bien, telle est la quête. C'est un souhait, un désir, mais avant tout un combat. Pour moi, toi, nous, et tous ceux qui n'aspirent pas à ce schéma. En bas de la pyramide, pas le côté pile, le côté face caché d'une vie assise en marche d'un système qui fait volte-face. C'est là que se trouvent les miens, partagés entre le mal et le bien. En bas de la pyramide, pas le côté pile, le côté face caché d'une vie assise en marche d'un système qui fait volte-face. C'est là que se trouvent les miens, soucieux de quoi sera fait demain. J'ai pas entendu trop de temps. J'ai cessé d'attendre. À ta place, je me poserai aussi des questions. En bas de la pyramide, là où l'échec s'érige, s'affaire dans un grand vide. Ceux qui n'ont comme vie qu'un vestige, je fustige ceux qui ferment les yeux, concernés. Ils ne sont pourtant comme ceux qui n'ont plus que ça pour pleurer. Trop de gâchis, trop de chichi. Je vois autour de moi, formant la base de ce système, de sa défaite. Des gars comme moi, des gars de chez moi, qui paient ce lourd héritage, ce mirage. Lui déclasse et compagnie, incrusté comme un tatouage. Quel rouage, où l'on dit que chacun peut changer son destin. Mais au final, qui y arrive, allez peut-être un. Et pour un, qui en réchappe, mille sont dans un cul-de-sac. Et tous leurs efforts partent dans l'oubli d'une fumée opaque. Au pas de choix, la douleur est trop vive, il faut l'enfuir, annihiler. Se souvenir et continuer en gardant le sourire. La nouvelle génération est en pleine phase de transition. Tout ce qui brille, tout ce qui est flashy attire son attention, ne lui parle pas de spirituel, de valeur naturelle. Elle envoie les séquelles, voilà pourquoi elle croit qu'au concret, au matériel. Elle a compris que c'était le même schéma, même blabla. Alors elle agit, au lieu d'attendre de tout saisir le concret résultat. Contaminé par le virus qu'injecte Babylone, yeux dilatés, bien sapés, je vois une ribambelle de mômes. C'est la relève, celle qui a le cache dans les veines, de la haine comme sève, en bas de la pyramide et qui s'élève. La pyramide, pas le côté pile, le côté face caché d'une vie assise en marche d'un système qui fait vente de face. C'est là que ma vie s'écrit, que mes récits prennent vie. En bas de la pyramide, pas le côté pile, le côté face caché d'une vie assise en marche d'un système qui fait vente de face. C'est là que ma vie s'écrit, c'est là que ma rage grandit. Bas de la pyramide, les trous grossissent, rêves factices qui s'esquissent, se réalisent peu souvent car sont des ellipses, des raccourcis, plein de miradors, ils gèlent dehors lorsque la température ambiante est le reflet des âmes, des romans, le sort a choisi, a tranché, on peut s'y défiler, essayer de changer, avec sa foi comme bouclier, quelle que soit la partie du globe, le continent, le développement de ce fléau se fait sans précédent. Le plus curieux, c'est que plus on endure, plus on accepte, on se dit c'est la vie, Dieu veille sur moi, drôle de concept, on rêve de hauteur, tout simplement d'une vie meilleure, car pour l'heure, la seule chose au déniveau de mon amplificateur, le reste est bas, très bas en contraste, néfaste avec le ciel qui surplombe, vue plus globale de l'hécatombe. Les rats des quartiers ne cessent de proliférer, qui dit épidémie dit charnier, vous l'avez deviné. La situation actuelle est armée de ce qui s'est toujours passé, le poids du passé, fatalité à dépasser. En bas de la pyramide grouille des milliers, des millions, leur parler, les écouter, me bouger pour eux et ma mission. J'ai choisi la réflexion pour éviter la dérive. Les sœurs et les frères, j'avise car j'accomplis ma mission. En bas de la pyramide, pas le côté pile, le côté face caché d'une vie assise en marche d'un système qui fait vente de face. C'est là que s'efface la trace de ceux qui tombent dans l'oubli. En bas de la pyramide.
pyramide, pas le côté ville, le côté face caché d'une vie assise en marge d'un système qui fait vol de face. C'est là que s'efface la trace de l'autonomie de la masse asservie. En bas de la pyramide, c'est là que le lion rugit, fier d'être affranchi. En bas de la pyramide, en bas de la pyramide, c'est là que bat mon cœur, grandissent mes peurs dans la douleur. C'est là que réconforté par de l'amour, la chaleur, mon esprit rêve de hauteur.